Mes amis, vin di nou ke gen moun ka mouri an dedan pays sa, pa ka yon nouvèl ni yon information pou nou. C'est tout secteur nan vie nationale la ki touché par cause banditisme lan, kote ke bandi a fè la pluie et le beau temps an dedan pays. Secteur football la, ces derniers temps, et ap konnen yon mauvais époque. Kote ke de temps en temps gen yon joueur football ke bandi rive touye an dedan pays sa. Et bien, à travers l'émission ça, on va raconter histoire d'un joueur football, mesdames, messieurs, qui perdit la ville très mal, Nabadelma. Il y a plusieurs policiers, mesdames, messieurs, qui rentraient dans le réseau, volé, qui a détourné camion marchandise moun. Bagay la compliqué. Et bien, il y a Michel-Ange, lui jeune, qui c'est porte-parole PNH là, qui racontait de fil en aiguille comment il y a plusieurs policiers, mesdames, messieurs, qui a fait même travail à bandit à sa patte. Yo en dedans pays ya bagala vraiment difficile et compliqué pour policier ça déjà trouvé yo en dedans des CPJ. Nous songe demoiselle Sila Nathaniel Medine Michel, yon policier qui tombé récemment. Histoire vraiment drôle, même bral obligé partager ensemble avec nous pour nous capable comprendre réalité cap dégager dans quelques familles baboy site. Déjà Sinapoa avec tout SPNH là voyez mon de sympathie by famille Sila. Mais en tout cas, eh bien, c'est même famille, hein? Oui, selon l'état qui formation que m'gagne qui mangeait policier là. Guy Philippe s'est menté que n'est pas de bon gens et formation dedans de CPJ qui t'a lié avec gang vivre ensemble. Eh bien, à travers une sous ambral fort de comment Guy Philippe s'est menté le bagage rapport à gang dedans pays et profite de vos messages. Mon bouc bah ici monsieur de CPJ pour le dire pour faire travailler puis bien que Jean a fait là et puis gagner l'armée Israël là qui passe pas de tromper les États-Unis malgré tentative que a fait pour mettre fin à guerre et bien qui te dire que l'armée a continué à frapper yo quitté Gaza yo prend Jordanie c'est pas des monde qui va faire voile pour pays sans chapeau dernier tout ça yo moi le raconte histoire si là et comment guerre lui-même l'a déroulé. Dernier temps, pile joueur football a tombé en babal bandit en dedans pays. Et dernière date là, c'est joueur football ça. Monsieur Relé Ismaël, alors monsieur Is et Joinville Mort Marcel, ligue, sinon gâté lui qui c'est Ismaël. Bon, quitter l'image là surtout, ouais, c'est un ancien joueur Racing Football Club haïtien. Monsieur était passé un bon temps tout dans Bacardi. Et c'est un latéral que lui-même lié un gaucher impénitent. Monsieur conduit au football en pile selon sa toute amis li proche li yo racontez nous et ancien joueur tout y a parlé en pile de toi après le film tombé en bac à touche bandi nan Badelma. On va raconter comment tout ça lui-même lui fait perdre la ville. A rappelé que récemment gagné Franzi Francillon, yon gardien dans sélection nationale, l'ancien gardien, eh bien c'est lui-même bral tombé en dedans et centre sportif de Carrefour là, bagala lui-même maîtrise en pile. On allait là pour Ismaël et ou bien encore Joinville Mort Marcel qui c'est ancien latéral. Qui t'aime dire que nouvelle là tombé bien bon matin hein? Mais c'est ailleurs soir yo fizier tout ça dans Badelma dans Delma 3 précisément. Monsieur gen longtemps que lui-même li pas habité dans zone là. Selon détail que ti frère nous rivé et ba nous concernant la moto ça. Monsieur gon bon temps li pas habité Delma 3, il était habité dans zone là, il était quitté li. Monsieur a habité yon l'autre côté. Mais ces derniers temps gagné des opérations qu'a mené dans zone Delma 3 côté que la police mesdames monsieur a affronté bandits vivant ensemble. Normalement dans bloc si là, au bloc Delma 2, Delma 4, Delma 6 dans bas Delma, c'est équipe Jimmy Cherizier que et barbecue en cap ferraille. C'est nèg ça qui contrôlait bloc si là yo. En attendant bagay information que c'est équipe barbecue même qui t'a arrêté la vie et joué vilement Marcel dit Isma Mayel. Mais toi lui-même lui tombé et c'est une série de nèg à gros âme là mais que nous pas arrivé identifier qui touye Ismaël. Eh bien, c'est lui-même t'a retourné Delma 3 et retourné dans mauvais lait dans mauvais moment
hein, dans mauvais période. C'est pendant que gagne une gros opération qu'a fait la police descend avec plusieurs chats à attaquer ti monsieur yo après nek kimpe sa non yo avec tout nek Badelma yo te fin envahi zone Solino et mettait en pile moun en pile habitant dans zone ça de yo. Eh bien Ismaël lui-même qui tendait pas gè coup de balle pendant un bon petit temps, li tendait que Charlie même du fond descend, char pas l'autre bois, monsieur profiter à ramasser quelques bataclan en dans la caille et quelques papiers importants d'un coup et à donner ça extrait d'archives, monsieur tout profiter à prendre passeport li d'ailleurs son nègre qui t'habitue jouer même en République Dominicaine, un pile monde contre ça, pas d'Aladou, pas Saint-Thérèse. Dans ce sportif Carrefour, eh bien Ismaël qu'on habitué jouer football tout côté, il a même dit que tout ça pied poudré depuis ses affaires football, faut que crampon prêt pour l'albay peuple à plaisir dans tout championnat vacances. Eh bien qui te me dire que l'MC tourner en dedans Kayla pour la ramasser et faire lui ça pied important d'ailleurs les bandits méthode dans zone l'ont tourner ou pas capable guetant prendre toute cause vous comprendre c'est ça pied important tant qu'on sait papier obligé prend yo rapide vite mettez yo non valise la gecha sou getan pour quelques rades et bien et di bon Dieu merci kouna la to a retourner pour l'al prend bagay qui important et pendant que policier eux même yo font casser tête tourner bandi eux même t'es toujours à opérer et à veiller zone là les bandi yo nan guerre avec la police mesdames messieurs y a veiller tout le monde parce que gen des géo ouais vous pensez que c'est information ou vinn prend pour la police pendant c'est tourné là derrière fait lien dans la caille bandi yo que monsieur yo pensez que c'est tout la police antenne li vinn fait pour agent PNH yo mais pour al kimbe toi yo bali plusieurs balles monsieur recevoir vraiment plusieurs projectiles, eh bien, li tombe, li pas levé et monsieur Fevrel pour payer sans chapeau. Bagalatrice en pile et majorité amis, famille, après raconter nous comment tout ça, même bonjour, la dit ou li pas kagade ou nanje, tellement c'était un bon monde, c'est yon nek tout te kon prend plaisir ensemble avec Zamil. Ou bon, nous allons permettre de suivre un coup de vidéo, mais à cause que bon musique a pour en bal, ma moto côté Ismaël a pour plaisir avec partenaire Lio l'a chanté barabote des musiques là à cause restriction qui gagnait pour page là pas prendre sanction mais on capable ouais comment Ismaël c'est et on est qui très sympathique qui te qu'on amuser l'accent Mili avec famille mais c'est dommage c'est lui même c'est comme ça que lui qui était après plusieurs balles que nous recevoir dans mes gang armé jouk na dans Delma 3 mais c'est tombé le bal levé on nous suivre parce que bah la triste en pile regardez bien. Voilà, c'est Ismaël ensemble avec Zamilio là cap prend plaisir l'a chanter au brand à terre bola rien comprendre c'est moun tout monde c'est ça le moun tout monde là OK moun qui est complaisance qui sensible pour tout monde OK et qui remet tout monde c'est comme ça Ismaël teye d'ailleurs dit que Ismaël et depuis ses joueurs qui nan championnat national là tout connaît d'ailleurs c'est tout dirigeant tout entraîneur football konto ça c'est son tout est fermé dans ranch là et t'es passé en pile temps que t'as pris formation et malgré t'es fait même si dans pendant un projet pour te permettre que sélection haïtienne en encore quelques jeunes viennent de grand footballeur c'est d'abord quitté parce que t'es fait même dans ranch quoi des bouquets monsieur prend la rue pour lui la jouer championnat vacances c'est histoire nous gagner qui vrai et qui réel que n'a partagé ensemble avec vous là concernant la vie Ismaël et bien pour qu'on y a là c'est le passé tout ça il pas existé encore sous bouté ça kounya la mesdames monsieur ça fait footballeur cap tombé et ceci n'est pas de rapport à gang n'est pas dans gang activité principale c'est football qui donc n'est vraiment tombé mal et puis mesdames monsieur yo kite yon série des fois gagnant ou vin entraîneur des c'est ancien joueur gagnant yo ki nan activité football comme entraîneur y a aidé l'autre jeune timoun yo grandi nan jouet là et bien kounya la monsieur li bien était là par là encore mesdames monsieur et bien c'est même ka tout pour et Franzi Francillon côté que monsieur fait fin entraîneur série des timoun en dans ce sportif Carrefour bonzi rentré n'est pas arrivé identifié comme son règlement de compte sous parking nan même OK pendant monsieur pral prend
moto li pour aller et bien yo touyil. C'est tellement pas grand chose jouer pas pour lui. Dans premier temps, t'es gagné un dirigeant qui t'a sorti avec machine ni qui t'a pas relé monsieur vinn di vinn ou était moto à moi t'en pris souple. Monsieur déplacé le retirer moto à en de sportif là, on a parlé de Franzi Francillon, ancien joueur Don Bosco de Pétionville, ancien gardien sélection nationale là, monsieur était vraiment passé dans mais Patrice Dumont comme entraîneur qui donc Franzi Francillon, c'est moun kafou. Tu t'as pas côté dans kafou, yo pas reconnaître monsieur son bon gardien, mesdames, messieurs. Vous êtes confondu avec Henri Francillon, gardien sélection nationale là en 1974. Eh bien, Franzi Francillon, ancien joueur de Bosco Pétionville, il mourit concernant de ce sportif là. Dans le premier temps, il finit le moto à Bayo sorti avec machine. C'est docteur Garcia qui a sorti à machine, dirigeant et Barcelone de Carrefour. Ok, Libal sorti et bien rangé moto. Il retourne encore à l'entraîner Timounio après. Aïe, a veillé li, l'el bralé net la kaili, ce sportif la presque pas gen moun nan parking nan, mse pren clé, li passe nan moto, li vini pou le déplacer, mesdames, messieurs. Moun ki kon son sportif de kafou la très bien, konne nan un très bon parking nan, gose de on espace ki tan kou, yon trottoir ki gen zèb sou kote l, eh bien là, bon di yo pral paret, yo pral fizye, Franzi Francillon ki pral tombe, mesdames, messieurs. Levé, eh bien, et monsieur mouri avant Ismaël. Eh bien, maintenant nous levé à nouvelle ça. Et Ismaël, ok, bel latéral, gros joueur dans le Racing Football Club haïtien, ancien joueur Bacardi, ancien joueur sélection nationale U23, sélection à nouvelle sélection olympique. Là, eh bien, monsieur lui-même, lui fait voir pour pays sans chapeau, famille, zami, ou bien quoi, famille football là, lui touché par deuil ainsi là, mesdames, messieurs. C'est tombé dans Delma 3. Eh bien, comment une série de policiers, mesdames, messieurs, qui pas respecté tête yo, ça que Bandi yo même y a fait, c'est les mêmes policiers ça y a fait. Et dernier déclaration Jimmy Chérizier et que Barbecue, à travers déclaration ça, me s'est raconté que ni la police, mesdames, messieurs, ni gang yo, yo gagné même mode opératoire qui donc yo fonctionné même gens. So ouais la police qu'a fait, c'est les mêmes tout Bandi yo qu'a fait. Et gens la police agit, c'est comme ça. Bandi yo agi selon Jimmy Chérizier aka Barbecue. Bagala vraiment compliqué côté recommandement PNH la pral saisi tande et arrêté plusieurs policiers, mesdames, messieurs, qui nan kokombouette nan tete lang ensemble avec une série de gangs. Mais tout yo gen réseau pa yo. Son réseau qui chargé policiers, mesdames, messieurs, réseau sa qui nan détourné camion marchandise, qui nan volé marchandise. Et nèg yo fèl bien bonnet dans matin, c'est 2h, 1h, 3h du matin, policier a utilisé zam la police ba yo pour yo travail là pour y al voler bagay moun. Bagay la grave. Bagay la compliqué, mesdames, messieurs. Bon, on pa parler selon moi-même puisque propre parole PNH là n'a parlé de Michel-Ange lui jeune raconté de fil en aiguille qui sa bagay la li même lié comment yo fait mais nan colette policier ça yo kembe ak badge et zam avec tout batte clan que la police et ba yo les que te rentré ou bien là t'a quitté ENP aller fin gradué pour capable al bay peuple à service dans l'idée pour protéger ak servi et ben nèg yo même y a PTG a desservi population. Au contraire, c'est crasé a crasé Bill les soumak population. Qui sa bagay la li même lié? C'est un policier, mesdames, messieurs, qui rele Yven son Benoît. Il était capable de faire 2h dans matin comme ça. Mais avant il est là. 2h dans matin, sorti 24 pour arriver 25 d'août. Il peut comme même jour. Toi prend zam li prend badge la police là. Li accompagné de l'autre policier, mesdames, messieurs, nèg yo al détourné yon camion. Et en dan camion sa, camion marchandisan, te gen en pile sac du riz avec tout l'autre produit alimentaire encore. Mais te gen plus du riz en dedans camion. Tout ça, c'est Yvenson Benoît Udmo et West 1. C'est son policier, mesdames, messieurs, qui affecté nan kosi la. Eh bien, monsieur pral détourné camion sa. Mais c'est pendant monsieur, on prend un volant, dit, oui, beauté, marchandise.
OK, li pat konnen ke t'ap pral croiser avec un backup policier, ça c'est vrai yo, bon. Considérant pili de vrai de bon policier kounya ki vin croiser et yon policier volo kap détourne un camion marchandise, sortant de ya katouche maré plusieurs coups de balle échangés. Normalement, il pas jam volonté Ivenson Benoît policier sa Maria pour t'a échanger coup de balle avec la police grand journée. Vous comprenez? Mais il était en nuit et monsieur t'a volé et il était en civil. Qui donc pour protéger tête li dans l'idée pour pas faire vol pays sans chapeau, li obligé troquer coup de balle ensemble avec policier sa yo qui pas connaît tout. Si c'est policier madame monsieur qui a volé qui a détourné camion marchandise là, est-ce que vous comprenez? Eh bien, nèg yo pété coup de balle, monsieur pété coup de balle avec nèg yo, mais policier ont été plus fort, ont gain avantage là. Eh bien, tout ça pral laguer cha laguer raga. Monsieur réussi sauvé Ivenson Benoît sauvé. Monsieur couri liquider mise à mon service li. Ça m'a pas là. Et pas zam s'est acheté nan men nèg ensemble non. C'est zam yo bali pour le travail oui. Zam qui gen série encore numéro et commissariat que l'affecté a oui. Vous voyez? Eh bien, et gen chargeur, gen téléphone, monsieur qui était bousli, tout net monsieur qui était yo. Donc numéro chaque zam gen numéro qui identifie que ces zam PNH, ça ou les sérieux, li identifie clairement que ces zam la police que lié. Eh bien, les monsieur qui était zam nan, yo pral identifier sérieux, numéro qui inscrit en là regardez ouais son zam PNH et pas zam gang. Son 9 mm de baito pour le travail. Zam personnel li, mais que la police bali pour le travail, mesdames, messieurs. Monsieur qui te ni zam ni charge téléphone ni téléphone ni, même bousse li kite. Kounya se le nèg yo pour le ramasser sa monsieur qui te yo, le yo gade, oh, tout nèg pantan, nèg yo étonné, nèg yo se yon frère dam bare yo, yo manke eten la villa. Mais yon bat, yon nèg yo di, hein, yon pat tap pe ba monsieur bal. Et si yon te konnen, c'est ton policier, yon tap touye le plus rapide que possible que yon gang. Parce que monsieur pi mal que gang. Ou pa kanon yon kon légal, ou ki te travay que yon bon fait, hein, travay légal, travay formel. Ou pran ki se protéger ak servi, mission se protéger vie ak bien moun. Et puis ou la gen détourné camion marchandise. Policier ou regrette que ou pa pran tout roi, mais yo étonné. Nèg yo pantan, lè yo gade ou son policier pareil yo ki tap volé nan camion zivi sa. Bagala grave. Bagala grave. En pile, Michel-Ange du jeune kap raconte koze a, mwen fòt tan de histoire. Ou gen tout détail yo talé comme ça. Et puis si n'a pas SPNH, malgré Gary Jean-Baptiste représente SPNH là, mais Lionel Lazante pour un coup à comprendre récemment là, malgré le film qui était Sinapoua, nous pas attendre encore. Nèg yo éteint Lionel Lazare. Mais oui, nèg yo éteint. Yo ba mission job nan jodi, nan demain yo rete le porte-parole de Jean-PNH là. Yo dit que monsieur son nèg ka fait et passeport, hein, li gen business li, la fait passeport pour moun. On vann mal à compliqué. Bon. Et il y a une nouvelle qui fait connaître que c'est pas un monsieur, etc. Bon, Lionel Lazare éteint dans la cause et syndicat la police, Sinapoua, syndicat national de policiers haïtiens. Demoiselle, ça va regarder sur le commun, c'est Nathaniel Medjine Michel. Nathaniel Medjine Michel, tombé 28 août 2024 là, dans le Cassagnol 20, en Dandelma 75. Qui ça va regarder? Qui moun qui fait madame ça, fait vol bruit sans chapeau? C'est dernier temps, nous finit par remarquer que. Mesdames, yo tout qui en dans institution la police y a tombé en bas balle que en bas monde nous va arriver identifier. Nous prenons le cas de Barbara Fécu, 8 mai 2024, on comprend pendant la menace ni l'école. Bandi pété cartouche sous Barbara Fécu dans quelque Port-au-Prince mesdames monsieur. Et pendant la essayer dresser machine pour voir comment elle a atterri devant l'hôpital, elle frappé non poteau, au final il fait vol pays sans chapeau bagalatrice en pile. Hein, nous pas oublier parmi 5 policiers qui étaient tombés et bon repos canadien les que équipe Jeff a été attaqué dans le 29 février 2024 là dans les députés empêcher Ariel Henry rentrer dans pays en vivant ensemble défini débordé enragé. Eh bien deux inspecteurs étaient tombés, t'as pas gain deux policiers qui t'as pas tombé parmi et tout policier ça t'as pas fait vol pays sans chapeau. Mais qu'on y a là Nathaniel Medjine Michel tombé, c'est vrai que moun qui touye Nathaniel Medjine Michel là, hein,
dit en dan yon zorekin blanc qui gagnait trace rouge là dans yo pas arrivé identifié et en dan machine que Nathaniel Medine Michel te trouvé la machine là 13 impact balle donc c'est donc me gadou moun sa te vinn gaspiller policier là après Nathaniel Medine Michel fin tombé dans le fouiller zone Kalalou même j'en te contacté Michel-Ange Jeune qui va ba nous tout détail yo et bien c'est un complot familial et Nathaniel Medine tombé pour causer règlement de compte de un caï papa il te possédé papa le parle encore mais il a boumé pour bien meuble là alors pour immeuble là elle est immobilier pas déplacer attention mettre là bien meuble même ca roule ca retour là avec son immeuble et bien pour caï là OK son sœur Nathaniel Medine Michel qui est Nathalie Michel sœur oui. Vous savez, même maman, même papa, qui complotait avec Marie-Li, Marie n'a pas dit de Marie, Nathalie, nom douce, qui est les gens Anderson, Cantave, qui sont policiers, mesdames, messieurs, même Jean Nathaniel Medine Michel, qui affecté dans Udmo, ok? Qui a travaillé encore, ça, on dit qu'on s'habite, on l'a affecté, sinon, commissariat, dans Udmo West 1, mesdames, messieurs, 26e promotion, tandis que Nathaniel son 28e promotion, mesdames, messieurs, qui pral tout et qui pral faire complot et puis pour faire d'amener faire voir le pays sans chapeau. Parce que Nathaniel Medine Michel t'est empêché seul, Nathalie Michel, avec toute Anderson, quand Marie Nathalie, 24 papa là. Alors, papa yo, parce que papa Nathaniel, c'est papa Nathalie tout. Ah la compliqué oui. Et qui moun qui va confirmer nouvelle là pour nous? C'est maman même qui va déclarer ses beaux fils li avec Nathalie qui mange Nathaniel petit li. Bagala bagala on va milimilo, on va milimilo. Et Hélène fouille zone Kalalou, hein, n'a cherché qu'on plus détails concernant et dossier là. C'est parce que tout simplement pour bien immeuble ça boucaille là. Gen l'autre bien tout gen l'autre causé, te gen bouche nouvri depuis un bon bout de temps. Mais Nathaniel Medine Michel a semblé pas manger rien fret parce qu'il était empêché yo on va utiliser bien si là yo utiliser bien si là yo on va pour vendre OK mais malgré tout madame monsieur il y a un tribunal de paix qui régler litige si là yo causé ça yo tribunal de paix régler très bien on va il est supposé prendre route ça pitou au lieu règlement de compte au lieu vengeance là. Qui donc, pendant que, à noter que Nathaniel Medine Michel lui-même prend du que il a affecté dans antenne en dedans d'Elma 75 ans, en antenne, ok, un petit bail, tout petit, on prend côté que policier ou détroit grand comme Chita en de 75 ans, il a laissé à antenne, on prend antenne, il a dit qu'il a fait policier, il a bandit, il a crasé tout, il a pas crasé commissariat, il a crasé antenne. Eh bien, c'est là d'après aller, il est tout habillé en dedans machine privée, li, ok. La pran chimé travail li et c'est là ça backup zo gen ça pral débarquer OK on backup illégal et puis pral touyer Nathaniel Medine Michel mesdames messieurs et vraiment bagarre la compliqué et dans quatre dossier ça gagne l'autre monde que la police a cherché qui semblait impliqué de près ou de loin dans cadre mort Nathaniel Medine Michel maman inconsolable OK maman pas qu'à qu'un bide de manger après la petite fille et malgré tout mesdames messieurs c'est même famille et même famille dangereux et beau fils li bah la compliqué bah la compliqué entendez Michel-Ange du jeune qui a raconté nous histoire c'est là mais oui entendez Michel-Ange du jeune On va parler évidemment avec le porte-parole de la police nationale Michel-Ange du jeune. Monsieur Michel-Ange du jeune, bonjour, bienvenue sur Scoop à Impasse, quel plaisir. Bonjour Gary et bonjour à toute équipe là. Bonjour auditrice, auditeur, c'est toujours un plaisir Gary. Avant de parler des opérations, la police est en deuil. Il y a une policière qui a été criblée de balles. Donc on parle de plus en plus de complot familial. Est-ce que la police est capable de nous ça le penser et qui ça gagne comme premier élément d'information par rapport à l'assassinat lâche et odieux de cette policière à Delma 64 à Sayol. La police effectivement est courue sur place dans un Toyota RAV 4 couleur bleue et au joint corps policier là et c'est un agent 2 de la 28e promotion, c'est Nathaniel Medine Michel.
après constat légal, enquêteur de CPJ est arrivé sur place et de concert avec la police locale qui a une enquête de proximité. Enquête ça permet que et interpeller un policier qui c'est Quentin Jean Andersen, agent 2, affecté à l'unité départementale de médecins d'ordre Ouest 1, comme monde qui est présumé auteur crime ça. Par la suite, tout après l'arrêté, Nathalie Michel, qui c'est madame policier Quentin Jean Andersen. Elle est bien, oui. Vous voyez qui est important, nous avons Michel-Ange lui jeune raconté là. Jean-Anderson Cantave, qui c'est Marie Nathalie Michel, c'est présumé auteur. Ça veut dire que en dans backup si là, ok, backup de couleur blanc à trait rouge qui prend le fusil et Nathaniel Medine Michel en dans machine par là, 13 coups de balle qui fait contrôler toute vite là, pété net toute bon pote là, pété en bas cartouche. Au moins, c'est négocier vrai et faire courant pour pas rater un rien. OK? Parce que c'est un bagage qui fait à la volée. C'est des machines, une croisée des voleurs, et puis si mes cartouches et puis machine en volée. Ça qu'arrivé que Nathaniel Medine Michel te prend cartouche et puis il pas mourir. Au moins, si on pas si met toute quantité cartouche et ça, mais là que 13 cartouches, vous comprenez? Yo jouer tout coup pour Nathaniel lui même pas sorti vivant. Eh bien, Michel-Ange jeune, tenez bien, il dit comme ça que Anderson Cantave, policier ça qui a qui dans Udmo West 1, c'est présumé auteur crime là. Ça veut dire c'est même examen pas un policier dit tout. Vous entendez? C'est lui même qui jusqu'à preuve du contraire, c'est lui même qui touye Nathaniel Medine Michel. Ah là compliqué, entendez. Tandis que Nathalie Michel, c'est sœur victime Nathaniel Medine Michel qui a assassiné. Entendez? Et enquête montre-nous c'est pas ça pas ta gain pour ouais avec l'insécurité généralisée, mais plutôt il y a un conflit de famille. Sous ta blague, il y a hypothèse conflit rien. Bon, famille qui a bataille pour bien. Famille qui a bataille pour terre, pour caille. Vous voyez, il y a conflit rien tout. Ok, premier élément de France, c'est causé caille, mais il y a terre dans causé à tout. La bataille pour terre, pour caille. Et là, il y a dans quatre feuilles planches. Voilà, compliqué. Il n'y a pas là, non? Ni terre, ni caille là, il va mettre dans deux secondes là. En fin de hypothèse sur bien matériel, plusieurs bagages qui sont tablés capables de permettre l'enquête là avancer. D'autant plus pour rappel, M. Gary-Pierre Polchal, le policier ça, quelques temps avance, dans un temps que je ne suis pas mesuré parce que je ne suis pas là. Donc, Marie était assassiné Delma 31 dans une circonstance à peu près pareille. Vous entendez? Marie Nathaniel Medine Michel, pas de longtemps, il a tout eu Delma 31. C'est parce que pour même causer ça, pour même conflicter rien, conflit de bien, pour immeuble, pour meuble, vous comprenez, à bataille pour bien. Donc, c'est presque, je suis capable de dire, son litige qui l'a longtemps. Et un petit bouton et qui fait malin, qui fait jamais jusqu'à ce que et famille vient à détruire famille pour causer bien. Voilà compliqué. Pas moi, je vais parler. Et c'est pas dans le cadre d'insécurité généralisée policière là. Tombé par bandit, on va arriver à identifier comme que tout le monde. Vous comprenez? Il y a des détails comment. Mais c'est Michel-Ange qui a parlé et enquête est pas fini, vous comprenez? Parce que elle a ramassé des données, des informations. Il y a même pas de présent dans le moment que Nathaniel lui-même est tombé. Vous comprenez? Ça veut dire que Anderson Cantave, policier ça, qui c'est en Udmo West 1, probablement c'est lui-même qui touye Nathaniel avec mes pas même comme auteur crime. Bref, enquête là pas avancé. Mais nous déplorons ça que les policiers la perdu Vili et dans ces circonstances-là. Ok, à côté de ça, il y a également, comme on dit, nous devons toujours dire qu'il y a des policiers qui sont impliqués dans des activités douteuses, notamment Guéné Cap servi comme antenne pour gang, Guéné Cap servi tout et yo joint cob dans mes bandits, etc. Ou a mené une vie vraiment luxueuse dans ce cadre-là.
gagné un policier qui font braquage au niveau de Delma et semblait monsieur pendant la couille qui les a amenés à toute bâti. Nous avons plus de détails, porte-parole. Oui, certes. Quand on a entendu porte-parole là, qui lui-même pour raconter l'histoire d'Ivenson Benoît, policier ça lui-même, qui t'a volé à 2h du matin, ok, quand même levé pour chanter. Hein, toi là le volé là détourné camion dit oui à tous amis badge la police avec toute série nan zamnan qui identifie clairement c'est zam la police mesdames monsieur. Eh bien yo pral kembe toi alors il va gitan pour le chapitre pour lui mais que 5 autres policiers ont arrêté deux bim gen body arrêté dans cadre dossier ça mais oui. OK, les tout achapé pour les quitter toute bataille là tête. Voilà compliqué. Mais c'est que l'autre policier va arrêter dans quatre dossiers ça, entendez. Maintenant nous capable de plus de détails et ben il y a 5 policiers pour l'instant là qui pour répondre à question et la police. Entendez. Parmi eux, il y a un policier Boyd et un policier Udmo, un policier Bim, alors deux policiers Bim. Moi garder me la garim poko bay non yo. Mais il y a preuve que policier ça yo Il a collaboré avec plusieurs foyers gangs dans l'aire métropolitaine. La police releyo, il a posé aux questions et pourquoi bay non yo pour l'instant. Mais ça qui est pour avec cabracage là, c'est dans la nuit 24 pour 25 mois d'août. Dans Delma 32, tu as une machine qui était en panne, c'est un camion Mack couleur rouge et plaque là c'est TM 18780. Son machine qui te gagne ma marchandise à bol, particulièrement il te gagne jury à bol, il te gagne passager à bol. Il était 10h du matin, les yon groupe moun te prend machine ça en otage pour te dérouter li et il te prend contrôle marchandise yo et passager te à bol machine là. La police informée 10h du matin arrivé et yon nan monsieur ça yo fait feu sur patrouille la police là. Et renfort arrivé, échange de tir, monsieur au courrier. Policier au progressé, il est arrivé bon côté machine là, arrivé gain contrôle mon yo, passager alors. Et c'est alors que la police va le découvrir gain bandi au courrier quitter yon zam à feu. Et c'est un pistolet de calibre 9 mm numéro de série TFW17205 qui c'est propriété de la police. Il y a un chargeur de 15 cartouches et un téléphone portable. Et bouche policier a tout arrêté sous place, il y a un badge li. Et policier ça, nous venons remarquer, son policier qui est Benoît Ivenson, 27e promotion de la police, qui a affecté encore une fois dans l'unité départementale Ouest 1, médecin d'ordre Ouest 1. Cette situation ça, nous sommes capables d'écrire pour l'instant. Ça peut nous comprendre, tant qu'on nous dit déjà, problème institutionnel li à la fois interne et externe. Externe, la gourmet avec foyer gang qui va permettre population en vaquer à activité dans calme et sérénité. Mais tout malheureusement, li gagne des problèmes internes. Côté membli, certains membli, de connivence avec les bandits et à braquer population en permettre tout. Il n'est pas vaqué à l'activité. Moi, fait ça, Lisa et M. Gary Pierre-Paul-Val, sont façon que pour me rappeler policiers, collègues policiers, que le serment a été fait, a été juré pour protéger la population. Et je souhaite m'encourager à chaque action qu'il a posée pour changer, jour où il a gradué, qui serment a été fait. Je souhaite que vous ne oubliez pas ça. Et commandement la police là, M. Normil Rameau, qui c'est une quatrième promotion en de la police là, qui est arrivé directeur général de la police là pendant deux fois, connaît qui conditions difficiles que les policiers ont travaillé. Il n'a jamais ménagé et folie pour combattre, pour joindre moyens, pour mettre les policiers dans la plus bonne situation pour le travail. Mais conditions difficiles qu'il a affronté, qu'il a confronté, pas autorisé yo tomber dans des bandades, pas autorisé yo à faire ça qui passe ça, parce que policier a les seuls boussole c'est la loi et Edmil c'est bandit et moun la protéger Zamil c'est population donc rete policier donc rete dans camp population
retenir la loi comme boussole, comme boussole. Donc ce message ça directeur général va te charger pour dire policiers pour yo ressaisir pour yo rete et dans principe dans déontologie la police là mais quand yo dévier tout commandement pas ménager et folle pour le ramener yo à l'ordre et prendre des mesures administratives contre yo et appliquer permettre autorité judiciaire yo appliquer des mesures judiciaires contre yo sur façon pour rester carité le plus sain que possible pour le capable trouver la meilleure condition pour le travail. Voilà. Tout ça il y a des policiers qui font des efforts sur le terrain en termes d'opération. Donc il y a eu une opération. Voilà on a tenté Michel Ange lui jeune qui lui-même c'est porte-parole la police mesdames messieurs qui vient en remplacement et de Gary Desrosiers qui lui-même fait travail là puis bien on comprend mais quand même Michel-Ange a dégagé le coup mettre Jean-Jacques là et ces derniers temps l'a fait effort partager une information ensemble avec médias concernant travail que la police lui-même l'a fait mesdames messieurs. Eh bien, en parlant de la police, mesdames, messieurs, dernier temps, ça a mené une opération dans Belé, dans zone Soulino, il y a 5 personnes qui sont blessées, dont 3 agents SWAT, qui ont trouvé dans l'hôpital, qui ont pris soin que Kayo était nécessité. Eh bien, il y a un PM Gary Conny qui était débarqué, Vinoué, monsieur. Bon, il était bien content, dit que Négo lui-même, il est en forme et que blessure, il n'est pas trop grave, pas c'est ça. Il était tout profité parler de causer insécurité a dit que et la police pas fait back malgré que policier qui a mouri gain qui a blessé il a continué attaquer gang yo attaquer bandi yo malfra yo mettez hors d'état de nuire dans l'idée pour mettre un calme dans pays parce que et dans jour qui a venir là gain élection que t'a dû fait comprendre même c'est on dit et quelques mois et pas l'élection parce que 2025 là parce que année a barré tant pis moi pour finir mais année 2025 c'est une année électorale si on peut dire comme ça côté que gagne bataille dans plusieurs secteurs et dans organisation politique et droits humains pour choisir un monde pour le représenter bon l'autre pour ensemble avec gang vivre ensemble par le biais de un journaliste de médias en ligne qui est Odai. Eh bien selon des tas d'informations fournies dans un rapport de 27 pages ainsi là côté des CPJ ensemble avec BAC qui se bureau affaires criminelles pour citer non ancien chef rebelle 2004 là dit que tout ça il gagne un bon jean lien bon jean rapport avec vivre ensemble mais c'est pas lui même directement qui qu'on a parlé soit à barbecue vite l'homme l'homme sans jour iso mais c'est plutôt par un intermédiaire c'est un journaliste qui fait interférence qui relaie Odai et Odai c'est là non le paraître dans rapport des CPJ aux côtés de Maciado Vilme et Vincent Joinville Jean Axis blanc pour citer ça au seul marchandise en Haïti comme monde qui connaît rapport à gang pas seulement dans interviewé gang dans pays c'est ça qui écrit en dans rapport des CPJ Guy Philippe lui-même pas jambe balé de cause finalement tout associé dans silence li. Et là, Guy Philippe sorti dans le silence, mesdames, messieurs, lui voyait un message piment bouc, bah, CPJ, vous dit que fait travail là, puis bien, fait enquête nous, puis bien, parce que lui-même, n'est pas impliqué, et n'a causé, et tété langue, ou bien marie société avec gang. Mais Guy Philippe, avant ça, dès qu'on rappelait que le droit pour parler à tout le monde, il parle à tout le monde, et dans le journal Reuters, il a déclaré que, gagné un nègre d'envie ensemble, qui remet l'idée, lui-même, pas de jambes, c'était non aucun monde. Et apparemment, nous connaissons que, par parole Guy Philippe qu'on on gens semblé à parole barbecue qui donc discours qu'on paraît semblé on prend tête coupée on garde ça parce que parole barbecue qu'on répétait Guy Philippe qu'on presque répétait la même genre la même manière vous comprenez et c'est pas même tête mais quand même c'est parce que même l'idée a contenu est-ce que vous comprenez et bien là Guy Philippe sorti dans silence les mesdames monsieur profite Tessa Lambé, direction centrale de la police judiciaire, dit que Negio est pas bien mené enquête là. D'abord, il était supposé contacter les journalistes, parler ensemble avec eux et puis checker information avec information gagnant mais pour confronter eux pour est-ce que tout bon qui monde cap bay menti. Selon Guy Philippe, Negio pas préoccupé de ça qui est important en dedans pays ça côté que insécurité a fait ravage la vallée terrain et si moun yo pa ka à l'école et gagner tout
et madame Sarayo qui pas ka vaquer à occupation yo pas ka vendre grain de par mandat dans pays que nèg yo même yo décidé et jeté et dévolu regard yo sur l'autre cause qui plus important dans pays qui vienne parler des causes li gen rapport avec vivre ensemble li voye jeté accusation ça yo bien loin. Entendez Guy Philippe. Madeline dans trafic illicite drogue que Michel Madeline dans Emmanuel Landry. Bon, il y a des preuves aussi solides que il va faire arrêter, il va reler depuis qu'il est aux États-Unis, t'a toléré un monde sous tes toiles qui pas américain pour faire bagarre comme ça, puis on va pas reler pour au moins déporter. Oui, vérité. Non là pourquoi faire ou même des police. Les témoignages. Ambassade américaine. Ambassade américaine. Même 5% va vraiment investir en Haïti, 95% retourner. Il a même mentionné plusieurs journalistes, il a tenu compte d'un témoignage d'un journaliste qui c'est Fanon, Vladimir Désir, oui, Fanon, qui fait des témoignages, qui a été arrêté, il a été pris en mars et dernier, et qui fait un pile témoignage sous base Sayo, donc des CPJ sur ton rapport, plusieurs journalistes, et il y a un journaliste qui établit clair comme si vous avez un lien direct, c'est eux qui étaient intermédiaires. Entre ou même et vivre ensemble qui donc non n'est rapport ça qui sont comprendre qui ont analysé bon et m'ta quoi que si des CPJ va faire un rapport comme ça et des CPJ va s'allier jodi à la institution tu le reste avec l'ambassade américaine c'est donc attendez oui toi comment c'est vous dit que des CPJ que si que pas ta fait un rapport comme ça en plus le monde d'avancer comme si c'est pas le voyer des CPJ en l'air comme quoi et c'est une bonne institution qui travaille bien hein attendez et même c'est dit comme ça que des CPJ pas ta jambe une institution choule reste avec ambassade américaine si que pas ta fait un rapport comme ça c'est parce que yo rete à ambassade américaine ben oui des CPJ comme si a mon rete on reprend ta kay mon abdomi ba la compliqué eh ben monsieur dit que des CPJ rete à blanc américain c'est blanc américain qui bail des CPJ côté pour faire la descente on reprend c'est blanc américain mesdames monsieur OK cap téléguider agent des CPJ yo et cap dire mais qui ça pour faire comment pour faire c'est ça qui fait yo cadrer c'est un rapport ça et chou yo attendez bien m'en fait entendez maintenant non rapport en attendre comment vous dites non rapport quoi faire ou même des policiers me commandant soit font rapport vous dites bon mon arrêté qui dit bon journaliste qui relé comment relé Oday Oday non Fanon ou gay Oday tout yon dit oui Oday que Oday là lui-même il était jouer interface pour moi avec très bien qui type de rapport ça et sous une information comme ça ou font gens pour appréhender et Oday qui dit ça ou poser les questions ou regarder ou bien téléphoner ou côté côté tout le monde ou pas mener enquête là soit font un rapport sérieux mais l'on fait comme ça tout le monde que c'est politique qu'on fait pour passer pour n'être que de me connait Oday moi que j'aime rencontrer monde yo dit que Oday là ni monde yo dit que fado bah rencontrer dans ville dans battre là et dans prison dit yo gars la pensée me battre dans prison Guy Philippe déclare que yo gèlè pensé le bat nan prison, le pa kon ni Oday ni Fano la. Sa le konnen. Ki moun ki Fano la, le pa kon Fano. C'est ancien journaliste Radio Télé Pacifique et yo arrêté dans cadre de ça, c'est premier élément yo arrêté depuis mars. Alors, c'est celle-là même tout en attendant parce que enquête yo a poursuivre. Eh bien, et depuis mars 2024, yo arrêté monsieur dans cadre de ça, c'est lui même tout qui pral cité non. OK, cité non l'autre journaliste, peut-être un bien ou bien un mal, mais c'est Fanon qui levé causé ça en dedans des CPJ. On comprend? Et bien Guy Philippe dit ni Oday là ni Fanon là pas reconnaître ni une ni l'autre, nèg yo gèlè blié s'il était dans prison dans pays États-Unis, semblait ça. Entendez? Hein? Yo oublié c'est des CPJ qui t'ai kidnappé comme on bagarre dans la police nationale qui t'a supposé faire respecter la loi, qui t'a quitté blanc. Faire kidnapper un sénateur en fonction pour voir le côté de l'air. Donc ça t'a étonné, même si je dis à même blanc, même pas. Non, nous pas qu'à quitter Guy Ali comme ça. Guy Philippe Potko, sénateur en fonction. Il était arrêté comme sénateur élu. Mon différence. Guy Zil est déjà en fonction, mes amis. Ah ben, si tu es en fonction, tu es capable de toucher. Ça fait. Bon, Guy Philippe, tu m'as touché, vous voyez. N'oubliez que c'est ça. Guy Philippe en dans prison, il m'a touché comme quoi il était déjà à travail. Eh bien, il prend Guy Philippe 4 jours même avant le prêter serment dans le Parlement. Guy Philippe pas de dans un jour dans le Parlement. Faut comprendre ça. Il prend le 5, le 9, il est monté.
en de fin tade, Guy Philippe qui a raconté comment les CPJ te fait complot pour voyer aller dans la prison dans le pays États-Unis. Ouais, qui Jean, pour maintenant Guy Philippe, non c'est de bagage. Donc, ou après ou libre et moi-même ça me dit à son vérité lié. Mm-hmm. Approche que nèg yo a fait, yo dit a fait. Pour résoudre problème sécurité en Haïti, elle pas bon. Mm-hmm. Et moi dis nous te complot pendant 90 jours pour nous mettre sécurité dans le pays. Mm-hmm. Mais on pas veut sécurité. Sénateur, pas veut stabilité. Sénateur, ou pas penser que ça qu'a fait là son façon que et dirigeant quand on a commencé chercher étiquette gomba qui ca vini puis devant oui bon moi c'est comme ton frère dans ça et puis commence avec un petit bail comme ça là pour t'as l'entendre gomba mandat lancer puis t'entendre yo restreint nous ou pas penser que ça nous arriver là ouais on a toujours fait tout ça on fait ben gien la loi quand même même dans l'état là gien la loi gien avocat gien tout bagaille gien la loi donc il n'a pas continuer tout temps créer son pays ça fait là tout son cette bagaille pour retirer peuple là focus peuple là sur problème grave que gien dans pays là ou bon CPT dès le départ me dit il va prendre aucun côté dans des 3 4 mois tout bagaille craser ouais je vous dis là comment bailler alors ça Vlad Diaz sénateur les gens on go bail pour analyser. Allez, grand pile monde qui balague. Grand pile monde qui balague. Pour qui ça c'est ou même Guy Philippe qui mette dans rapport. Et même bon, mais même américain balague. Parce que c'est une décote d'éviter l'homme. Oui, exactement. Donc je dis assis. Moi l'explique ça. Vous songez. Allez. Il y a un journaliste par la gang. Il y a le journaliste gang journaliste. Mais on a songé que le deux blancs, jeune blanc au monde. Ah bon. Éviter l'homme parler, il dit que il a tiré le blanc, tiré le pour aller dans la pour aller dire. Oui. Il voulait aller dire. Et dans la salle, il y a deux jeunes blancs qui ont perdu la vie. Où est-ce que CNN a parlé avec tout le monde? Où est-ce que tout le monde a parlé avec tout le monde? Quoi, j'aime. Là, Guy Philippe a parlé, les que vite l'homme t'a poté Edli, ensemble avec deux missionnaires américains, malgré que tu as perdu la vie. C'est Natalie Lloyd avec David Lloyd qui est tombé dans l'ison. Ok, ils ont 49. Il a dirigé et un orphelinat qui portait un bon espoir. Ils ont l'école, ils ont l'église, tout. Il y a bien communauté en service et bien un bon bout de temps malgré l'insécurité. Il a toujours été dans zone là parce que bandit au badjam qu'on attaquait. Eh bien, la zone ça c'est Jeff Canard qui a opéré pendant que était en danger et blanc ambassade américaine t'a contacté vite l'homme innocent pour aider au sauver blanc. Entendez? Guy Philippe dit c'est que ambassade américaine qui contrôle bandit au par la bandit. Et qui est lié li même pour pas parler avec gang yo mais il pas aucun rapport ken et li pas même actif de aucun groupe gang mesdames monsieur en dedans pays hein ça Guy Philippe lui-même li raconté là en fin tande pour capable gagner tout détail d'ailleurs pas oublier non c'est vite l'homme de ça qui permet de récupérer cadavre Natalie Lloyd qui c'est petite Ben Baker qui c'est un congressman qui a dirigé état Missouri dans pays États-Unis écoutez pour dire comment faire gros problème ça au lieu ambassade la télé la police ou bien blanc la police comment faire éviter l'homme de télé côté au jeune contact ça qui est qui est comment faire bailler ça au l'autre pour aller aider ça veut dire sous cap bailler l'autre pour aller aider ça veut dire ou cap bailler l'autre ou c'est maître ou c'est patron attendez pour poser vraie question yo pour essayer jeune bonne réponse je suis allé faire politique avec sécurité pays donc c'est vraiment dire non nous tout tiwel nous tout changer les deux jeunes blancs au moyen. Et comment bah, elle a évité l'homme de balayer, ah oui. Vite l'homme de deal clair, c'est négocier pour le bail. Exactement. Donc, si blanc a un contact, soit disant, mon qui a cherché, que FBI a cherché, bien comme sous tête, pour la voyer, si elle n'a pas de chita dans le salon, aucun monde, sans que l'ambassade américaine, l'équipe sécurité américaine n'a pas au courant, et pas contre côté mon naï. Alors, c'est qu'il n'y a pas de faire rien, il n'y a pas de prendre aucun monde. Il n'y a pas de faire mon, comme il y a fonction, ça déchète. Mission Kenya avoué là, son échec total. Pour gagner l'élection États-Unis qui a fait en novembre, Nadio a essayé de voler des petits bagages. Faire bruit comme même bagages fait sous ancien président Michel Martelly. Ah bon, l'on d'abord arrivé là avec vous, certainement. Et question sanction, yo. Et là, c'est une actualité qui a tout le monde a commenté, a regardé ce qui a passé, qui est venu là, ajouter son contre président Matéli, sanction qui était en pointe contre Lambert, contre Yuri La Tortue, pile monde, donc l'isla a allongé. Qui ont regardé, question sanction ça yo? Bon, ben, dernier sanction ça, c'est un équipe sanction bluff. Si, nous avons des ambassadeurs américains au Cap qui dit qu'il y a une preuve que Michel Matéli était dans le trafic illicite de drogue, que Michel Matéli était dans Money Laundry. Bon, il y a une preuve aussi solide. Il va faire arrêter, il va arrêter. Depuis qu'il a États-Unis, t'as tolé un monde sous territoire qui pas américain pour faire barrer comme ça, il va arrêter pour au moins déporter. On va attendre ARS faire rien, bagaille revenu États-Unis, pas faire rien. On va attendre des débats de justice faire rien. Donc, tout le monde est bluff.
passé tout le monde dans tête, même j'ai parlé tout le monde dans tête avec enquête sous l'amour président Jovenel. Grand barrette là, il dit tout nèg non décidé dans l'amour président Jovenel, il prend là les États-Unis avec. Après deux trois mois attendez sous l'agent la rue, tout nèg dans la rue, il a bandi. Yo craser enquête là. Je dis à revenir en Haïti tout pour détruire peuple là de focus des bagages parce que pas appeler accepter que vous faites en pile ton dans dernier choix que vous faites. Depuis là vous prend 9 monde qui pourra diriger pays là. 9 présidents, nous te dit c'est là la menen. Et je dis à plus que 3 qui impliqué dans une série de bagages de corruption. Et 7 nan 9 membres ça, yo sorti non seul regroupement, non seul bloc yo sorti qui c'est question accord Mandana. On va le compter pour eux. Il y a 7 qui sorti dans accord Mandana. Ah bon? 7 sorti dans accord Mandana en parlant de membres CPT yo, 9 et même ça dont deux pas capable voter ou là comme observateur. On a parlé de madame Regina Abraham avec pasteur Frinel Joseph. Eh bien Pierre Espérance déclare que pasteur Frinel Joseph attendez oui son racketeur que lié son voleur que lié Pierre Espérance oui dans radio télévision Caraïbe qui dit que Frinel Joseph son racketeur son voleur son nèg qui t'écraser élection et dans pays li j'en remet dire là côté en province côté sorti hein. OK, en fin de Guy Philippe qui a parlé de situation pays de conjoncture là. OK, et n'a bon extrait, nous pas quitter le trop long après n'a capable mener dernier dossier qui va dans dossier international en côté. Je m'a une sept qui était dans commande là. Donc nèg ça yo ensemble avec blanc et ensemble avec quelques nèg nèg dans prenez par exemple, il y a pas attaquer l'autre nèg ça, il faut attaquer oui. Tu as que voler comme pays, il faut que payer, il faut que tu condamner. Mais c'est justice haïtienne qui peut faire. Les États-Unis veulent vraiment aider nous. C'est pour prendre tout et ça joindre tout indice, toute preuve que je viens de compter pour la justice haïtienne qui a pris force. J'ai fait là, il n'y a pas faibli, institution justice. Moi, puis mal. Si vous avez toute preuve, ça, l'ambassade a dit, contre monsieur Sao, bah yo, mettez-le devant tout le monde. Ouais. Si je veux faire politique avec justice et si je veux déstabiliser l'institution de l'État. Tout ce qu'on a fait là, on met quoi même. C'est vers et élection États-Unis, n'a que besoin qu'on y a la amadre population haïtienne, surtout et diaspora, pour dire ah nous on attaque matéri puisque on est dans diaspora, il y a pile monde qui demande faut que la justice qui fait pour compte Petro-Caribe qui vole. Donc là c'est clan, c'est nous ca conclure c'est tant bien c'est clan démocrate là, nous ca parler de Bill Clinton, donc nous c'est Haïti nous connaissons Namel, qu'a frappé là. C'est l'administration démocrate là qui a frappé. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont Haïti dans sa lia là. C'est eux-mêmes qui bonne CPT là. C'est eux-mêmes qui bonne Gariconi. C'est eux-mêmes qui tolèrent les monde voler comme Petro-Caribe. C'est eux-mêmes qui volaient tout comme tremblement de terre là. Comme qui viennent investir pour reconstruction Haïti. D'ailleurs, président ancien président George Bush, c'est un pi bon, 50 fois. Mais non, au lieu de faire plan président George Bush, pour commencer à faire reconstruction Haïti à partir de section communale, pour la planter, pour te créer une série d'infrastructures pour le monde que le tremblement de terre a été déplacé, toujours tout ça au besoin de la caillou, tant pour l'université, tant pour l'hôpital, tant pour le travail, pour payer à tes cas de vente, pour nous relancer l'agriculture et production nationale. Non, il n'y a pas de plan, il y a plutôt et plan Clinton, il y a acheter bidon de l'eau, si ça dure, faire une série de tentes. Et puis je dis à la, tout milliard ça a passé, même 5% va vraiment investir en Haïti, 95% retourner dans mes patrons. Tout le monde. Est-ce que ça t'a voulu dire, sénateur, est-ce que ça t'a voulu dire, et si en novembre là, c'est républicain qui t'a pris le pouvoir, ça capable de modifier la politique là souterraine en Haïti? De toute façon, moi-même, pas ni pour républicain ni pour démocrate. Même parce que haïtien, surtout, je parle aujourd'hui avec haïtien qui vivent dans la diaspora. Yo ka aider Haïti vraiment vrai jodi a semaine ça dans élection pour le faire là côté deux moun yo presque gen même force. Voilà, nous t'attendez Guy Philippe qui lui-même dit que li pa pour ni républicain ni démocrate parce que c'est américain qui a touyé nous là et c'est même qui a tout pisi nous surtout clan démocrate là comme gagne élection au fond façon a montré nous a sanctionné Matéli y a cherché. OK, sympathie communauté et diaspora dans l'idée pour capable joindre vote moun ki haïtien ki l'autre bois communauté noire ak citizen. Est-ce que nous comprenons? Guy Philippe vraiment fait un bel approche. N'a fou coup de pied à l'échelle internationale. 7 octobre 2023, yon gros guerre éclaté dans région proche Orient ou Moyen-Orient, yon guerre qui d'abord est basée sur cause territoire, yon guerre tout pour cause et qui a rapport à cause religion etc. Eh bien, guerre arabo-juive là, son guerre qui là depuis 1947, mesdames messieurs, côté que Israël toujours en face un bloc, c'est-à-dire une série de pays là qui toujours veulent prendre territoire par là. D'ailleurs, on dit que Israël volait un pile territoire pour on a parlé de Liban, la Jordanie,
Jordanie, de Palestine, etc. Bon, c'était ça seulement. Mais 7 octobre 2023, par un groupe rebelle et au Hamas en dans Gaza qui va attaquer Israël. 1200 Israéliens va tomber. 253 l'autre va kimber en otage. Après première attaque, c'est là, étant donné que Palestine n'a pas la même force de frappe avec Israël, et bien Israël va répliquer et répliquer même yo vin pi fort. Ça qui va la cause, plus passer 40 000 Palestiniens faire voile pour payer son chapeau, surtout avec attaque l'armée israélienne. Et bien, guerre après escalader, ça veut dire guerre après monter, elle va toucher l'autre pays, ni la Jordanie, ni Beyrouth, qui c'est capitale pays Liban, ni Téhéran, qui c'est capitale pays Iran, yo va toucher par monter en puissance de guerre. Si là, à côté que Israël a frappé fort, elle gagne dans Doli, 100 000 depuis plus passé 60 l'année, les États-Unis cap fourni les moyens pour continuer bataille. Et c'est même États-Unis ça cap utiliser secrétaire département d'État américain Anthony Blinken pour capable mettre et on cesser le feu, ça nous est en sorte de camper guerre ça et dans l'idée pour capable permettre que gagne la paix dans région Moyen-Orient. En pile négociation a fait et Anthony Blinken échoué à plusieurs reprises dans l'idée pour faire Israël avec toute Hamas bail en main. Et bien tourner monsieur tourner là, il vient avec une nouvelle proposition que Israël accepte, que Hamas lui-même beaucoup d'accord, parce que et aussi que et nouvelle proposition ça li pa avantager yo et Israël avec Benjamin Netanyahu, c'est premier ministre Israël là, c'est lui-même qui c'est ministre de guerre, c'est lui-même qui a fait tout travail ça. Mais c'est dit tout en va réduit à néant Gaza, li pa bay vague la continuer attaquer. Dernière attaque yo fait dans Jordanie, dans zone qui relé tout le Karem, côté que et pral gagner 16 moun qui tombé ayé, moun ça tombé yo pas levé. Mais bien avant, je suis capable de dire la veille ou bien avant hier, il y a 9 qui tombaient. Ça va être un total de 25 personnes qui tombaient dans 2 jours. Mesdames, messieurs, dans 2 jours, 25 personnes tombaient dans 6 Jordanie, qui c'est un groupe qui allié à Hamas et qui a bataille contre Israël. Et récemment, dans Téhéran, Ismaïl Haniyeh, leader du groupe Hamas, lui-même, a tombé pendant de la caille. Il y a un drone qui était guidé par l'armée israélienne. Selon des détails qui forment ceux que médias étrangers partagent, Tabral Touye, leader, encore chef groupe Hamas. Avec Kounyala, malgré proposition, Israël d'accord, mais la pristile a trompé les États-Unis. Bon, d'accord, pas pété coup de balle. Eh bien, ils continuent à chercher otage. Et récemment, de Gaza, ils joignent. Il y a un otage et par la suite, il va récupérer un autre encore. Il y a parmi eux, c'est un grand monde, capable de dire un jeune garçon. Et alors, il y a un grand monde garçon, capable de plus précis. Et capable de partager l'information bien avec nous. Babo ici, nous, il est un personnage. Ok, bon, on va dire un personnage. Un monde qui est dans les 40 et 50 ans. Eh bien, il est après à le sauver lui. Et parce qu'il était dans mes troupes Hamas depuis un bon bout de temps, depuis quelques mois, eh bien, il rejoint famille sain et sauf, mesdames, messieurs, grâce à avec intervention de l'armée israélienne lui-même, il continue à chercher otages dans Gaza.